voici la première fête du cidre. Danseurs folkloriques ouvrent le spectacle avec leur entrain habituel. Dès qu'ils montent sur les planches, le rythme particulier des danses normandes est profondément ressenti par les spectateurs et aussi par le matériel. Monsieur Fossé, député maire d'Auffay, paraît tout à fait convaincu de l'ampleur que l'on peut donner à cette fête du cidre. Les sportifs prennent ensuite le relais en donnant une très belle démonstration. Que ce soit à la barre ou aux haltères, leur talent est apprécié du public. Et c'est sous ses yeux admiratifs que continue ce spectacle, alors que plus loin ont lieu les promenades à cheval qui font la joie des visiteurs, toujours de plus en plus nombreux. Promenades à cheval, la taverne, le cadre où a lieu la réunion, une très bonne ambiance, tout cela laisse prévoir que d'autres fêtes du cidre auront lieu, avec bien sûr des améliorations telles que défilés, jeux d'hiver, grands spectacles sur podium, feux d'artifice. Tels sont les projets du comité de l'USA en cette année 1966. Pour clôturer cette première fête du cidre, une pomme géante est brûlée. Malgré une vie éphémère,
La pomme fera longue carrière puisque 10 ans plus tard, nous la verrons encore défiler dans les rues d'Auffay. Et c'est à la lueur des torches que Normands et Normandes danseront autour de cette pomme dont le squelette calciné s'écroulera dans quelques instants. Ce sera la fin de cette première fête du cidre. Et c'est le 10e anniversaire. Cette fête doit revêtir un éclat particulier. Depuis quelques jours sur le terrain de Ménisauval, toute une équipe de jeunes s'affaire autour des stands. Planche à visser, tenture à fixer, mise en place de tous les éléments servant au jeu. Nos présidents se dirigent d'un pas lent, mais assuré vers la taverne où règne une activité fébrile. La maison normande est maintenant prête à recevoir ses locataires. Non, ce n'est pas la voile du bateau pirate que vous voyez là, mais le podium a lui aussi besoin d'être habillé. Le bateau est prêt à prendre la mer et déjà il se dirige vers le lieu de rencontre, point de départ du défilé. Demain matin, une messe sera dite en plein air et c'est dès 14h que les majorettes traverseront la ville, précédant fanfare et corso fleuri. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes, elles défilent pour pas cadencer, en faisant gonfler leur chemisette, et puis là, un petit coup de menton. Elles envoient le bâton. Pour mériter ce joli costume, faut pas craindre. C'est vers le stade de Ménisauval que se dirige le cortège où l'on peut voir des chars qui, en raison de ce 10e anniversaire, ont été fabriqués avec énormément de soin. Faut les voir rouler par la kermesse. Leur petit sein en crête de coq se dresse. Mais hélas, à la 28e borne, ils sont retenus comme des pop-corns. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent pour pas qu'à danser, en faisant gonfler leurs chemisettes. Et bien, un petit coup. Ce char remportera tous les suffrages, et c'est mérité. Tout le monde applaudit Mademoiselle Jeanne, qui marche à reculons en lançant sa canne, et qui se dit en souriant à Monsieur le maire, pourvu que je me foute pas la gueule par terre. La grosse moustache qui les gouverne a dû faire l'exode sur une citerne. Autour de ses 120 kilos de graisse pure, sa mini-jupe a l'air d'une ceinture. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent au bac à danser, en faisant gonfler leurs chemisettes. Un petit coup de menton. Le spectacle animé par Jean Nohain est très apprécié. Pendant plus de 3 heures, le public sera tenu en haleine. Ici, tout est axé sur les lois de l'équilibre, que ce soit la femme pendule, le trampolino, les clowns à la planche particulièrement encombrante, ou l'homme perché sur son échelle. La foule applaudit et elle frémit.
Par moment, la consommation dépasse la production. Pour la fabrication des crêpes, c'est souvent le cas. Alors, il faut faire vite, très vite, au risque de se brûler les doigts. Dans une ambiance surchauffée, le chef cuisinier doit savoir tourner les crêpes en un temps record. Qui pourrait faire mieux ? Un Belge se sentirait chez lui. L'huile coule à flot et les frites sortent à la pelle. Mais surtout, pas de précipitation. Là, le secret de la réussite. Jean-Noël présente maintenant un ballet exécuté par les jeunes danseuses altifagiennes. Ainsi se termine le spectacle de l'après-midi. Mais la fête n'est pas finie, tout le monde se retrouvera la nuit tombée pour le grand feu d'artifice que clôturera ce 10e anniversaire de la fête du cidre. Dans un ensemble d'éclatements de fusées, de pommes en flammes et de musique dansante que se terminera cette belle journée du 19 mai 1975.